Donc moi c'est Pierre, je fais de la basse dans Elephants. Ça fait quoi, même pas un an que je suis dans le groupe. Ouais. Et du coup, je fais de la basse et je kiffe vraiment jouer avec ces gars-là. C'est des putains de mecs. À la base je suis pas de Rouen, je suis de Caen. Mais c'est un plaisir de venir répéter avec eux, de faire des concerts avec eux. La joie de vivre, c'est le kiff. Moi c'est Baboon, du coup je chante dans Elephants. Donc fondateur. Ouais. Enfin, en gros, ouais, on a repris ça avec le batteur. Avec le batteur, on a repris ça dans un groupe qu'on avait avant, on a refait un autre truc, et puis il y a le gratteux et l'autre sergent à côté. Ils sont... moi, je dirais que c'est du hardcore pour commencer. Je pense que c'est... On veut que ça soit groovy, quoi, et en même temps que ça soit assez tranchant, tu vois, que ça soit quand même énervé, quoi. Que tu puisses bouger la tête, ça groove, mais que ça soit quand même pas mal énervé, quoi. Pas que ça soit... Tu vois, genre un groupe groovy turnstyle, groovy, tu vois, mais par contre, turnstyle, c'est pas énervé du tout, quoi. Nous, on veut que ça soit énervé comme. Ouais, c'est. C'est du groovy hardcore metal avec des parties batterie hip hop avec un chant ultra vénère. C'est vrai que du coup, à Rouen, ça fonctionne par vague, tu vois. Mais il s'est toujours passé des trucs, en fait. Quand j'ai commencé à faire du hardcore à Rouen, il y avait. C'était la fin de. Ça venait de finir un groupe, un putain de groupe qui a trop marché, c'était Burn It With Burn, je sais pas si tu connais. Ça déboîte, enfin tu vois, il y a toujours eu des trucs à Rouen, il s'est toujours passé des trucs. Primolage, ils viennent de Rouen, enfin, c'est passé des trucs trop bien à Rouen. Mais après, du coup, il y a des passades avec, des passades sans, tu vois, comme partout, je pense. Et voilà, mais c'est une cool scène, Rouen, hein. C'est une cool scène parce que. C'est bien. Le problème qu'il y a par rapport à ici, c'est qu'il n'y a pas de gros trucs, tu vois, genre. Tu vois, il n'y a pas de Super Bowl of Hardcore, il n'y a pas de Unity Hardcore Fest, il n'y a pas de trucs aussi. Bah, c'est sûr, il y a toujours des concerts entre potes, entre groupes locaux. Ouais, il n'y a pas que des groupes locaux, il y a des trucs. Oui, mais il y a des trucs bien, en fait, ils commencent à faire venir des bons groupes. Ouais, il y a des bons trucs. Bah, s'ils n'avaient pas splitté, reprendre aussi, ils auraient joué à Rouen. Mais bon, ouais. Dire qu'à Rouen, il y a les Fronts, mais à Rouen, il y a Lazare aussi. Il y a Lazare, ouais. Invisible, à Rouen, il y a plein de. Il y a Greffel, il y a. Greffel, ouais. Il y a Cavalerie, il y a. Il y a plein de groupes, par an. Il y a vraiment plein de factures. Mais moi qui ne connaissais pas, les gars, ils me font découvrir, il y a vraiment plein de groupes par an et qui en valent le coup, quoi. Que ce soit hardcore, metal, stoner, doom, ouais. N'importe quel site dans le metal, tu vois, c'est vraiment. À Rouen, ouais. C'est vraiment diversifié. Quoi. Plein de trucs cool. C'est vraiment cool. Mais... Tu vois, il y a un des trucs qui m'a fait kiffer le hardcore, justement, parce qu'on disait tout à l'heure qu'on est du metal, machin. Ouais. Qui m'a fait kiffer le hardcore vraiment, c'est les lives, et du coup, ce qu'il y a dans les lives, c'est genre, voilà, tu vas voir les. Ouais. Voir qu'il y a les mecs, ça tend les micros à toute berzingue, tout chante et tout. Tu partages la question, tu vois, tu découvres ça, tu te poses la question, tu te dis c'est marrant quand même, j'avais jamais vu une parole là-haut, tu dis c'est marrant quand même, on comprend rien à ce qui braille le mec, mais par contre tout le monde connaît quoi, c'est marrant. Tout le monde connaît, et puis toi c'est marrant. J'ai commencé à lire des paroles, tu vois, lire des trucs, et putain il y a des trucs qui te font sens, tu vois, t'es jeune, il y a des trucs qui te font sens, et du coup t'as qu'une envie, c'est de voir le groupe les chanter, tu vois, Knuckle Dust, ça restera mon groupe préféré à vie, parce que même si ce qu'ils font maintenant ça me gaffe, je dois l'avouer. Mais c'est cool, ça m'a tellement bercé, mec, les paroles et tout, machin. Lire les paroles, dire putain c'est bien écrit. Voir cette espèce d'esprit un peu que tout le monde a pas, mais qui pour moi berce un peu le truc. Oui, c'est pour ça qu'ils sont toujours là aujourd'hui, que tout le monde les aime encore aujourd'hui. C'est le truc simple, tu vois, les mecs. Qu'ils fassent des albums bien ou moins bien, ouais. C'est comme The Turning Back, hein. Tu sais, moi je suis un gros fan de Turning Back. Ils sont adorables, quoi. Ils ont fait des albums bien ou moins bien, mais vu que c'est des mecs en or, des mecs qui c'est des crèmes, c'est des mecs en or. Ouais.
qu'ils fassent des albums bien ou moins bien, tout le monde va toujours les voir et tout le monde va toujours à leur concert. Ouais. Et si t'es un con et que tu te prends pour une star et que t'en es pas une et que tu fais un album bien et qu'après t'en fais un moins bien, bah si tu passes pour un connard, bah les gens, si tu fais un album moins bien, ils vont dire t'es un connard quoi. Mmh. Tu vois, c'est marrant parce que le hardcore c'est le style de musique, enfin le métal en général, mais le hardcore c'est le style de musique dans la musique en général où on comprend le moins ce que le mec raconte en face et où pourtant quand tu regardes des concerts, soit de variettes, de machin, c'est là où il y a le plus de gens qui chantent ce que le chanteur il chante. Voilà. Puis il n'y a pas de. C'est ça. Le public, la scène, c'est le. Sans le. Cool. Parce que tu chantes pas un truc si ça n'a pas de sens pour toi. Enfin, je pars du principe que tu changes pas un truc si ça n'a pas de sens pour toi. T'es pas juste là à dire, t'as vu, je mets quoi tellement hardcore que je connais les paroles de ça. Non, ouais, c'est pas ça, tu vois. Genre, tu lis un truc une fois, si c'est de la merde, bah t'oublies quoi. Mais Knuckle Dust ou Incendiary, c'est tellement bien écrit, c'est tellement cool, c'est tellement dans le délire. Même dans Nickelback, mon pote, les paroles sont vraiment ça défonce. Ouais, enfin voilà. Du coup, ça a du sens. Putain, tu les mets. Des fièvres, puis on est tous entre copains, on s'amuse. Genre rien, là, y a pas une embrouille, y a pas un mec qui est trop bourré, qui fait chier, c'est tout nickel quoi. Non, mais moi, je suis pas chier, moi, ça va. Je suis chiant, moi.